Salut tout le monde, c'est Plarimer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de notre aventure sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Donc la dernière fois les amis, nous avons récupéré la deuxième perle, qui est la perle Pharor. Où je peux la vous faire voir? Ouah, c'est trop petit, donc je peux vous faire voir. C'est minuscule. Bref, nous avons récupéré la deuxième perle que l'arbre Mojo nous a donné, donc nous n'avons plus rien à faire ici. Avant, j'ai un courrier. Good morning! Vous avez du courrier, lettre reçue 1, lettre numéro 1. Merci beaucoup. Link, si tu lis ces lignes, cela veut dire que tu as consulté notre boîte aux lettres. Tu m'as rendu un grand service et je suis confus de ne pas t'avoir correctement remercié. Je ne peux pas faire grand chose, mais si une lettre ou un colis te sont adressés, nous ferons toujours en sorte qu'ils soient livrés à la boîte aux lettres la plus proche de l'endroit où tu te trouves. Alors si tu vois une boîte aux lettres bouger, va la consulter. Tu es sûrement loin d'avoir terminé ton voyage. Ce que j'ai glissé dans la lettre pourra peut-être te servir. Fais-moi le plaisir de l'accepter. J'ai hâte de te revoir. Bonne chance, le père de Scaf. Oh! Ah ouais, quand même! Ah, j'y croyais pas! Vous obtenez un quart de cœur, vous avez deux quarts de cœur. Si vous en trouvez encore deux, votre énergie vitale augmentera d'un cœur. Ah ouais! Je m'y attendais pas quand même d'avoir un quart de cœur là. Le rouge! T'as un truc à me dire? Impeccable. Cet endroit porte bien lui aussi la marque de Ganon. Ouais. Comment peut-il donc retrouver ainsi toutes ses forces? C'est vrai. Link, la dernière perle que tu dois trouver est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici. Partons vite. D'accord. Mais avant, j'ai envie de vous faire un truc, les amis. Un truc que j'avais découvert, je m'en rappelais plus en fait. Et je l'avais découvert juste avant de vous laisser en fait. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais leur dire la prochaine fois. Donc je vais vous faire voir. En fait, c'est avec ces deux fontaines. Je sais pas s'il y a quelque chose, hein, je m'en rappelle plus. Peut-être qu'il n'y a rien du tout en fait. C'est là-dedans en fait. Vous allez là-dedans et il y a une espèce de grotte. Donc je ne sais plus ce qu'il y a. On va voir. Peut-être que c'est pas pour l'instant, je sais pas. J'ai l'impression. Peut-être avec le boomerang. Ah non, je peux rien sortir. Non, je crois pas que c'est pour l'instant, à mon avis. Mais voilà, une salle bien mystérieuse. Bah, si vous pouvez me confirmer en commentaire si c'est pas pour l'instant, hein, ou... dites-le moi, mais pour moi, je pense pas que c'est pour l'instant. Hein, c'est dommage. Ou peut-être que c'est une salle qui sert strictement à rien, c'est possible. Bon, bien. J'ai 308, donc les amis, peut-être qu'on va tenter les enchères une nouvelle fois. D'accord. La perle se trouve là-bas. Bah justement, Mercantile, c'est où? C'est là-bas. Bah ouais, ça tombe plutôt bien. Ah du coup, ouais, on va peut-être faire escale à Mercantile, les amis, vu que là, cette fois, on est plus très loin. En fait, la perle est proche de Mercantile, en fait. Tan-t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 an
je vais retenter de l'avoir. Enfin non, ah non, quoique. Non, c'est vrai. Parce que finalement, on va aller... Finalement, j'ai une connerie, les amis. On va aller à l'endroit où on doit aller, les amis. Vous allez me dire pourquoi? Et bien parce que Mercantile, on ira, on devra y aller. Donc, autant pas faire un tour pour rien. On ira quand ça sera obligatoire. Comme ça, en même temps, je pourrais choper cette fameuse voile rapide. Ouais, ça semble pas mal. Donc là, je change la direction du vent. Et on cap vers le dernier endroit pour la perle. Hâte de voir ça. Ah, c'est beau. La lune qui... Au revoir, la lune. Enfin, c'est le soleil. Ouais, c'est le soleil. Oula, là, il y a beaucoup d'ennemis là-bas. Il y a beaucoup trop d'ennemis à mon goût, là-bas. En fait, tous ces trucs volants que vous voyez, c'est des ennemis. C'est les ennemis... Ah non, c'est pas les ennemis qu'on a rencontrés dans l'île aux forêts, non. C'est pas ceux-là. Ils sont différents. Ils sont peut-être plus forts, ou je sais pas. En tout cas, ils sont vers une île. En tout cas, quand on devra aller à cette île, ça va être pas facile, hein. Ouah, si ça va aller. On y est presque, les amis, ne vous inquiétez pas. Non, voilà, je venais d'y penser, en fait. C'est comme, je sais pas si je l'ai dit, mais le jeu, je l'ai déjà fait, hein, je vous rassure. Donc, l'histoire, je la connais. Et je me souviens d'un passage où on devait aller à Mercantile. Donc, vaut mieux aller à l'endroit qui nous dit la lune rouge. Et dès qu'il nous dira d'aller à Mercantile, on ira. Et en même temps, je choperai cette voile. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'avec 300 rubis, normalement, j'arriverai à choper la voile. Donc, l'île où on doit se rendre est l'île là-bas. Je crois qu'elle est droit devant vous. Hein. Normalement, vous pouvez la voir, je crois. Donc, c'est droit devant nous. Alors... Ah, putain, encore des trucs volants, là. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va venir m'agresser. Ça serait bien aussi de retrouver peut-être un coffre caché là, 50 rubis. Ah, là-bas il y a une bouteille. Une bouteille à la mer. Alors, pensons qu'on est en voyage. Alors, c'est un mec qui a fait un dessin. Bon, il est. Voilà quoi, le dessin est moyen. Hein. C'est pas un artiste. Hein. Mais voilà, c'est pas intéressant. C'est un dessin, mais il est pas super le dessin. Moi je trouve qu'il y a mieux quand même. Ah, c'est pas possible. Mais genre, tu fais exprès. Ah, il fait exprès. Il veut pas, hein. Il veut vraiment pas. Ah, il est là. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu quand même. Ok. Donc dedans, les amis, il n'y a rien. Il y a 50 rubis. C'est tout. Donc 50 rubis supplémentaires pour miser aux enchères. Ça, c'est cool. Ah, je m'en fous. Je peux payer au moins 350 rubis pour avoir cette voile. Je m'en fous. Il me la faut. Il me faut cette voile. Alors, on va voir cette zone. Cette fameuse zone, à quoi? Encore un sombre nuage. C'est par là? Ouais, c'est là. Encore un sombre nuage. Vous avez remarqué que chaque zone a un sombre nuage? Non, sauf l'île aux forêts. Je crois pas qu'il y avait un nuage, mais c'est le deuxième. L'île de dragon avait le même. Terre en vue! Hein? Mais. De quoi? L'île du poisson. Waouh! Elle est défoncée, cette île. Ah, franchement. Mais l'île, elle... Arrivons-nous trop tard? J'en avais peur. Mais je ne pensais pas à ce point. J'abus. L'esprit de l'eau vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, y vit-il encore? Léo! Link! Ah, c'est qui?
Ah salut, c'est le facteur. Salut, ami. Peux-tu m'en dire plus sur cette île? Parce que là, cette île, c'est une ruine, là. Enfin, te voilà. Je t'ai cherché partout. Je crois que tu cherches Jabu, l'esprit de l'eau, n'est-ce pas? C'est bien ça. Je suis désolé, mais je dois te dire que Jabu n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabu a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il est, où il a trouvé refuge. Je sais pas. Dans l'île où tu es né. Quoi? Il est dans mon île? L'île de l'Aurore. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'Aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabu. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'intérieur. Même les pirates n'ont, paraît-il, pas réussi à y entrer. Désolé, Ink. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc distrairement parlé de tout ça, et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer, et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute, en train de préparer un mauvais coup. Si tu veux aller trouver Jabu, tu devrais peut-être aller voir ce qu'il se trame sur Mercantile. Mais cette île, c'est quand même dingue. Il fait beau, mais partout ailleurs en mer, mais ici, le ciel est noir et menaçant. C'est d'un triste. Valou avait sûrement raison quand il m'a dit de venir te rencontrer, te raconter tout ça. Il a dit que cette île était maudite. C'est vrai qu'elle m'a l'air maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai tout dit. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabu. Merci, au revoir. Bien, en résumé, les pirates savent de notre quête. Savent que nous sommes en quête des perles. Jabu se trouve dans notre île, comme ça, posé au calme. Super. Et, oh, vous avez vu, les amis? Un bateau. Non, c'est pas le bateau pirate, ça. Regardez là-bas. Ça, c'est un autre bateau. Ne vous inquiétez pas, on ira. On ira un jour. Alors, j'ai reçu deux bouteilles. Alors, un dessin. Ok, et un autre truc pas très intéressant. Non, toujours rien d'intéressant, les amis. Je suis trop triste. Rien d'intéressant. Donc, bah ici, il n'y a rien à faire, les amis. Il y aura une chose à faire plus tard, mais là, il n'y a strictement rien à faire. Ouais, de toute façon, Le grand Jabu est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabu. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui s'y passe, d'accord. Ouais, bah ouais, je pense qu'on va aller à Mercantile, vu que là, il y a clairement rien à faire ici pour l'instant, les amis. Enfin, pour l'instant, je crois qu'il y a rien à faire tout court ici. Enfin, on verra. Alors, d'abord. Non, là, c'est pour ça, les amis. On va aller à Mercantile cette fois. Donc, en même temps, on va pouvoir s'occuper des enchères. C'est parti! Allez, salut l'île du poisson, qui est clairement défoncée. Donc, voici, ça, c'est un bateau. Mais le problème de ce bateau, les amis, je ne sais même plus comment on y va, mais. Ce bateau a un truc en particulier en fait. C'est qu'il est invisible. Eh ouais! Ce bateau est invisible et il se rencontre que la nuit. C'est la grosse différence. Ne vous inquiétez pas, on éclaircira ce mystère plus tard. C'est pas notre objectif aujourd'hui. Hein. Vous voyez que là il fait que ça de pleuvoir. C'est parce que là on sait pas où est Jabu. C'est ça le problème. Ah toi casse-toi, hein. Tu vas pas m'énerver. Hein. Donc ça c'est un requin. Lui aussi il va falloir le photographier plus tard. Waouh là. Je vais essayer de le prendre en photo. Impeccable.
Voilà, comme ça lui il les prend en photo. Hop, esquive. Le dieu de l'esquive, les gars. Voilà. Ouais, il est là-bas, mercantile, je crois. C'est mercantile, ça. Ouais, c'est mercantile. Impeccable. Putain, vous avez vu comment il tonne, les amis? Ça, j'aime bien ces ambiances, ça, nos hackers. Vraiment sympa. Putain, ouais, il tonne un truc de malade. Il pleut des cordes. Donc, vous allez voir mercantile quand il pleut, hein. Ouais, comme ça on va faire un petit épisode mi-annexe, mi-principal, c'est pas mal. Je pense qu'il risque d'être plus long celui-là, les amis. Je pense. Donc là, en cause de notre durée, on est déjà à 16 minutes, donc ouais, il va être largement plus long. Peut-être 30 et 40 minutes pour celui-là, hein, je ne sais pas. On verra bien. On voit mercantile, on voit le bateau pirate là-bas. Enfin, je l'aperçois, moi, vous, je sais pas si vous arrivez à l'apercevoir. Moi, ça, j'arrive quand même à l'apercevoir. Putain, le piaf, il a dit aux pirates que... Putain, il a dit notre quête, mais c'est dégueulasse. Il aurait pas dû le dire. Ouais, voici le bateau pirate. Le voilà. Ce piaf avait raison. Voici le bateau des pirates ancré à l'abri des regards. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link essaye d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. D'accord, il va falloir jouer l'infiltration. Bon, on va d'abord faire la partie principale, vu qu'on est en partie principale, on va pas casser l'ambiance, hein. Alors, ces pirates, où peuvent-ils être? Ah, une boîte à lettres bouge. Donc, c'est-à-dire que j'ai une lettre. Voyons voir. Good evening. Vous avez reçu une lettre 1, lettre numéro 1. Alors, c'est quoi? Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des blasons d'épéistes. Reviens vite, Orko. D'accord. Ah, cool. Merci, sympa. Donc, Orko, c'est le mec avec son... qui nous a appris le maniement de l'épée. Donc, il faut venir avec des blasons d'épéistes. Donc, alors, là, vous devez vous dire... Déjà, il n'y a personne ici. Devez vous dire où sont les pirates. Et ben les pirates, les amis, sont ici. Et ouais, dans les trucs aux bombes. Vous vous rappelez, je sais pas si je vous l'ai fait voir, mais normalement si, hein, j'ai dû vous faire voir la première fois mercantile. Vous vous rappelez de ce marchand, cet arnaqueur quoi, qui vend ses bombes hyper chères. Vous vous rappelez, il dit bombes pour 10 000 balles. 20 bombes, 20 000 rubis. Abusé quoi. Et donc les pirates se trouvent là-bas. Et on va en apprendre. Et on va en apprendre plus ce que font les pirates ici. Donc ça c'est. Voilà, voici comment entrer en douce. Parce que si on entre par la porte, on sait bien que on va dire bonjour et les pirates vont dire au revoir quoi. On va dire Link dégage. Alors. Voyons voir ça. Vous entendez la musique des pirates, donc qui sont là? Et voici. Il est clairement ligoté là. Désolé, nous avons besoin de bombes si nous voulons trouver des trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. Tu as dû touper aussi de demander un prix pareil à des pirates. Tu ne trouves pas? Ah c'est vrai, il demande 10 000 balles quand même, hein. Hé, hey, Gonzo, c'était impressionnant la facilité avec laquelle tu as soutiré ces informations au facteur. Hein? Oh, ouais. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon, Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur et le tour était joué. Mais on peut dire que dans ces moments-là, tu es le meilleur quand il s'agit d'avoir de mauvaises idées. Si toi, le Gonzo aux mauvaises idées, et Tetra, la maligne avier des enfants, il ferait de sacrés pirates, crois-moi. Pfff, idiot, tu dis n'importe quoi, vraiment. Hein, Tetra, il dit n'importe quoi.
Pas vrai? C'était une blague, Gonzo. Juste une blague. Bon, au lieu de dire des âneries, vous feriez mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir sur l'île d'Aurore. Quoi? Mais c'est impossible! Ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre. Faisons un bon dîner ce soir et nous laverons l'ancre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée, ce serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Hein? Vous autres, vous êtes d'accord? Trois petits points. Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? À tantôt, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. On dirait. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse? Ah, on s'est fait choper. Bon, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse matinée, c'est compris? Ouais! Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié! Tu ne fais vraiment attention à rien! Aujourd'hui, le mot de passe est partage. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je te le répète une dernière fois. Le mot de passe d'aujourd'hui est partage. Ah oui, partage! Ils sont vachement discrets, hein, truc de malade. Enfin, en même temps, ils sont pas censés croire qu'on est là. Donc voilà, Tetra nous a repérés. On s'est fait repérer comme des cons, super. Donc ça fait bien avoir. Oh putain, il a de la thune en plus. Putain, il a de la thune, le vieux. Regarde-moi ça, cette thune. Putain, le riche ici. Bon bah, mec, écoute, je vais te piquer tes rubis, hein. Je suis pas un pirate, mais voilà. La thune, ça se prend surtout. En plus, je suis arrivé à 400 boules, cool. Bon, là, je pense que là, que... La voile de navire, je pense que je vais réussir à l'avoir. Je pense. Il y a peut-être encore un truc ici. Non, je peux pas les bouger. Si je lui parle à lui, il va rien me dire, bien entendu. Salut! Dommage que je peux pas piquer des bombes, mais ils ont tout pris, les pirates. Donc c'est plutôt mort. Voilà, donc ouais, elle est encore sinistre l'île, donc je préfère pas encore tenter les enchères. On va continuer encore le principal, les amis. Ah, je vous ai dit, cet épisode est plutôt long, on va être plutôt long. Ah, quoi que, attendez, on est la nuit ou pas? Je vais voir, écoutez. Je vais voir, les amis. De toute façon, je peux pas changer le champ de soleil comme ça. Parce qu'il pleut. L'histoire doit rester comme ça, en fait. Ah bah ouais. Pourquoi je n'arrive pas à me calmer? Ah et voilà. C'est ça le problème, les amis. On peut pas faire les enchères tant que ce souffle ne sera pas calmé. Donc on va continuer encore un petit peu. Je sais pas combien de temps ça fait, les amis. Attendez, je suis désolé, c'était flou, ma caméra avait du mal, je sais pas, elle a du mal de cadrer Link peut-être. Donc voilà, je me suis arrêté un petit peu. Ça fait 24 minutes. Bon, ça va, on n'est pas encore trop. Ça va, c'est pas encore trop un épisode. Ah bon, équipage, bon. Alors, partage. Qu'est-ce qu'on pense? C'est bon, entre. Non, mais il voit même pas que c'est moi, quoi. Bonjour les gars, salut. Je peux venir à votre banquet? Ouais, du coup, la pièce de Tetra est libre. Bon, on va la faire. Oh, c'est pas mal, ça. Une Triforce. Énorme. Je savais pas qu'elle avait ça. Un tableau du héros. Et du héros de la légende. Ah, il y a Nico.
Salut, tu vas être content de me revoir, non? Ou tu vas me dire qu'est-ce que tu fous là? Tiens, Link, c'est toi, Link? Alors, tu as envie? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. Mais tu es bien vivant! Tu t'ennuyais de moi? Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment? Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le polton ici pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois. Accroche-toi. Comme tu peux le constater, il y a, comme la dernière fois, des lampes qui pendent du plafond. Mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton poussoir pour sauter jusque là-bas. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Ok. Ah, il y a un coffre là-bas qui m'intéresse. Et puis à l'arrivée, il y a une grille. Cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se renferme au bout d'un certain temps. Et si la grille s'est refermée, il faut recommencer au début. Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois. Si tu réussis le test dans le temps imparti, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. C'est à toi. Ah, il est vraiment sympa ce Nico. Non, les pirates sont pas réellement méchants, les pirates. Hein. Surtout Nico, hein, je trouve que c'est le plus sympa, moi, Nico. Ah, merde. Ok. Fail. Oh, joli ça. Merde. Malheureusement, si je fais le con... Ah oui, la bouteille, hein, les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais une bouteille. Moi, je l'avais même pas remarqué, là. En fait, c'est un dessin, hein, c'est pas intéressant. Voilà. Putain, c'est chaud, hein. Je me rappelais plus de cette épreuve. Réellement, je me rappelle plus du tout. Oh, j'ai de la chance. Voilà, j'ai réussi. Hein? Mais comment peux-tu arriver à faire ça aussi facilement? Tu n'es pas croyable. Mince alors, moi je n'avais jamais réussi. Et lui il a fait ça comme si de rien n'était. Même si je lui donne les bombes, je vais encore me faire attraper. Allez, je te donne les bombes, prends-les. Mais surtout ne le dis pas aux autres, hein. Surtout pas, c'est entre nous. Pas de problème. Yes, et voici les bombes, les amis. Les bombes qui vont nous être très, mais alors là, très utiles. Que ce soit en mer et par terre. Vous pouvez transporter jusqu'à 30 bombes. Lancer les bombes en appuyant, elles éclatent avec fracas, c'est un bonheur. En mer, les bombes se transforment en canon. Donc voilà. Tu as tout de même du toupet de venir piller les pirates. Ah ouais, c'est vrai. Elle peut encore nous parler. Mais je suis vraiment contente de voir que tu te portes si bien après avoir été soufflé hors de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière. Heureusement que c'était le tour de garde de Nico. Les autres ne t'auraient jamais laissé entrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyau de Jabu? Le vénérable Jabu se cache actuellement dans une caverne derrière ton île. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. C'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre pour l'île de l'Aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas! Ah, elle est vachement gentille, Tetra. Elle nous aime bien. Ouais, notre message est clair, on doit aller voir Jabu. Le fameux Jabu. Mais ça sera au prochain épisode, les amis.
Voilà, je vais faire un épisode plus long, mais on va pas abuser non plus, hein. Ça fait déjà 30 minutes. Ah, ça va être l'épisode le plus long, clairement, les amis. Ah, je suis désolé, mais là, voilà, je pouvais pas faire autrement quand même, hein. Ah, il fait toujours sombre. C'est étonnant. Attendez pas à ce qu'il fasse toujours aussi sombre. Non, on a découvert ce que font les pirates, donc les rouges vont être contents. Par contre, je me demande où il est, celui-là, justement. Ce fameux lieu rouge, ah il est là-bas, le voici, lieu rouge, encore une lettre. Allez, décidément c'est journée aux lettres, hein. Alors lettre numéro 1, vas-y, crache le morceau. Les boutiques de Terry vous informent, la bonne affaire du semestre, les bombes font une entrée fracassante dans vos boutiques préférées, prix de lancement exceptionnel, 6 juin à la carte des boutiques Terry, vous pouvez trouver un... Ah, offre valable, ne laissez pas passer cette chance Terry. Ouais, la carte de Terry, en gros on va pouvoir savoir où se trouve Terry en fait. Et comme vous avez remarqué, à chaque boutique Terry, il y a des choses différentes en fait, je crois. Je crois qu'à différentes boutiques, il y a des choses différentes. Du coup, ça ne change pas. Ouais, du coup, bah les enchères, c'est mort, hein, pour plus tard les amis. Je crois que je vais le faire en off. Réellement les amis, la voile rapide, je la ferai en off. Ouais, voilà, il arrive pas à se calmer. Donc ouais, je pense que je vais le faire en off, la voile rapide, je suis désolé les amis, mais voilà. Je vous la ferai voir, vous inquiétez pas, moi je vous la ferai voir. Mais voilà, quand on va pas gâcher des épisodes, ça va être chiant pour vous, quoi. Donc je la ferai de mon côté. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode de Zelda Wind Waker, épisode un peu spécial, hein. Bon, c'est le 13ème, un petit peu plus long, 31 minutes, voilà. Mais tout de même, acceptable, ça va. Tout de même, ça va, c'est quand même, c'est pas abusé non plus. Bon, je vous remercie de regarder, ciao tout le monde pour la suite. Allez, bye.